Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer par utiliser SonicPy. On va voir la première instruction, comment faire un premier son en utilisant l'instruction sample. Alors l'instruction sample, c'est l'instruction qui va vous permettre dans SonicPy de jouer un premier son. Donc un sample, c'est un échantillon, c'est du son en fait. Et là, vous voyez, quand je tape, donc j'ai tapé sur un buffer ici le numéro 5, peu importe, c'est pas très grave. J'aurais pu prendre n'importe quel buffer. Donc c'est la première ligne, je vais taper sample. Et vous voyez, j'ai une liste de samples avec des noms particuliers qui me sont proposés. Donc j'ai un Big Choir, donc ça c'est un chœur. Donc voilà, donc j'ai fait simplement sample et après j'ai pris un Big Choir. Et ensuite, je peux cliquer sur Run. Et j'entends ce cœur féminin. Donc ainsi, j'ai plein de samples déjà proposés. Hein. Donc ça veut dire que tous les utilisateurs de SonicPy, lorsqu'ils installent le logiciel, ont ces samples sur leur ordinateur. Donc ça, c'est intéressant d'utiliser dans un premier temps tous les samples qui sont proposés pour pouvoir partager du code avec les autres utilisateurs de SonicPy si un jour vous voulez faire ça. Alors, ici on a donc ambis un petit peu pour ambiance, il me semble. Hein. Donc là on a des choses un peu particulières. Voilà. Alors, donc on est sur première ligne. Maintenant, si on veut aller sur la seconde ligne et puis choisir un autre son, qu'est-ce qui va se passer quand on fait ça? Alors, ici, si je veux utiliser ce son-là. Donc les noms sont indicateurs quand même. Hein. Ça nous indique soit indicateur, ouais, soit indicatif, indicateur, indicatif, on va dire. Nous indique quelque chose. Donc ça, c'est BD comme bass drum en anglais, hein. BD, bass drum. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ben en fait, si je fais Run, donc SonicPy va prendre la première ligne, la seconde ligne, hein, il lit les instructions de haut en bas et c'est parti. Vous voyez, quand je passe ici, j'ai mon raccourci Alt-R, donc ça veut dire que si je prends mon clavier, je fais Alt-R. Voilà. Donc vous avez vu ce qui s'est passé, c'est que là, les deux, alors j'espère qu'on va le refaire. Voilà, alors je vais vous parler de quelque chose un peu particulier qui ici, on a le journal. Journal, ça explique ce qui s'est passé dans le programme. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit là, le journal? C'est venir le journal d'exécution. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent en informatique, hein, en programmation informatique. C'est un journal des exécutions pour avoir une trace de ce qui est fait. Donc, en fait, il nous dit que quand on appuyait sur le run ici, au temps 0, eh bien, il a déclenché la lecture de ce fichier-là. Alors, vous voyez, ça, ce fichier-là. Eh bien, si je fais un copier, hein, c'est ce qui est présent sur mon ordinateur. Il est présent sur mon ordinateur. Voilà. Hop. Si je vais voir ici, vous voyez. Pardon. Il est bien ici. Donc là, c'est ambi. Ambi lunar. Et donc, il est là. Donc, en fait, il m'a déclenché ce son-là, la lecture de ce son-là. Ok, donc si je fais un double clic, là je peux avoir la même chose. Un peu fort, excusez-moi. Voilà, j'ai exactement le même son. Hein. Donc voilà. Donc si je fais ça, eh bien j'ai le même son. D'accord? Donc ça c'est pas mal parce qu'on va pouvoir utiliser comme ça des sons. Alors là pour l'instant, c'est les sons qui sont. Vous voyez, installé automatiquement avec SonicPy et on va pouvoir après utiliser des samples externes. Alors, imaginons qu'on ait envie de faire une petite pause entre le premier son et le second son. Eh bien, on va utiliser une autre instruction qui veut dire sleep, qui veut dire dors, c'est-à-dire attends. Donc là, en fait, on va dire on va lui demander d'attendre deux temps. Alors. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il a attendu deux temps. Alors, il a entendu deux temps. Et donc ensuite, pardon, excusez-moi. Donc il a fait le premier son. Ensuite, il a attendu deux.
Et ensuite, il a joué, il a déclenché la lecture de celui-ci. Ok? Alors, si je veux aller plus vite, alors on va faire d'abord boum, tchac, boum. Si j'ai pas envie d'entendre ce son-là, je peux le mettre en commentaire. Pour mettre un commentaire, je mets un hashtag devant. Ok? Et là, vous allez voir ce qui va se passer, c'est que je vais entendre. Je vais recommencer. On va entendre simplement celui-ci. Donc cette ligne-là n'est pas prise en compte. Quand une ligne est vide, bah, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'instruction à faire, swing bypass à la seconde. Quand il voit un dièse, bah, il ne fait pas ce qui suit le dièse. La ligne vide, voilà. Mais je peux aussi, vous voyez ici ce que j'ai fait au début, hein, j'ai mis commentaire après l'instruction. Donc ça, c'est un commentaire pour moi. Alors pourquoi les commentaires c'est important? Parce que ça vous permet de vous rappeler ce que fait cette ligne-là, par exemple. Bien, alors ici on va faire juste un boom tchac. Alors on va dire, ok, tu fais boom, la grosse caisse, bass drum, tu attends un temps et ensuite tu vas jouer une snare. Alors snare, donc là c'est classé par. Dans le nom, on a snare. Donc en anglais, c'est une caisse claire. Hein. Voilà. Caisse claire. Alors, vous regarderez si vous voulez sur internet à quoi ça correspond physiquement ces deux instruments, la grosse caisse et la caisse claire. Et ensuite, je vais pouvoir à la rigueur faire ça pour tout à l'heure, pour dans peu de temps, faire une boucle. D'accord? Poum, tchac. Alors, si je veux faire ça 4 fois, bon, ça c'est intéressant, je vais pouvoir utiliser 4 points times, do et finir par un end. Ce qui est intéressant, c'est que là on a do qui commence un bloc et on a le end qui, comme son nom l'indique, termine le bloc. Donc ça, c'est un bloc. Ce bloc-là, donc les instructions vont être exécutées, pam, pam, pam. Et quand ça aura fini, bah, ça va remonter là, une deuxième fois. Pam, pam. Hop, ça fait ça. Troisième fois. Et quatrième fois. Et ensuite, ça sort. Ok? Donc là, on va mettre un truc pour voir. Qu'on est sorti, on va mettre par exemple un son assez rigolo qui s'appelle, je crois que c'est un corbeau. Alors on a aussi un raw si vous préférez, vous avez aussi le raw, on peut faire ça aussi. Hein. Voilà, on a aussi un corbeau. Donc là on entend un corbeau qui va rôter. Bref, donc je vais exécuter ce petit programme. Voilà, donc il a fait 4 fois ça et ensuite il est passé à ça. Ok, bon, je vais un petit peu évacuer ça, c'est rien de très joli. Si je veux aller plus vite, comment je vais faire pour aller plus vite? Eh bien, il va falloir que je joue sur le battement par minute. Voilà, donc ici ça veut dire beats per minute. En bon français, battement par minute. Voilà. Voilà, donc vous voyez, ça a été plus vite. Donc pourquoi tout à l'heure il faisait. Voilà, tout à l'heure c'était en fait il était à 60, donc c'est-à-dire qu'un temps dure une seconde. C'est-à-dire que toutes les secondes, vous pouvez avec vos doigts faire un. Alors, je sais pas si je suis à 60. Voilà. Donc là, on a une sorte d'horloge. Hein. Ok. Maintenant, si je mets 120, eh bien, ça veut dire que quand je vais attendre ici 1, eh bien, ça va être une demi-seconde en fait. Ok, voilà. Donc vous avez bien ça en fait hein, qui apparaît ici. Donc au temps 0, paf, le premier. Une demi-seconde après, on arrive ici. Voilà.
Donc voilà, c'est un petit peu comment on fait de la musique avec Sonic Pi. Alors si vous voulez que ce son-là soit plus fort, vous pouvez jouer un petit peu avec le paramètre. Donc vous voyez, pour mettre un paramètre, on met une virgule, et ensuite on met amp, et on va pouvoir, j'ai enlevé ça, le commentaire, et ensuite on va pouvoir augmenter l'amplification en fait, hein. Si je mets 2, ça va être 2 fois plus fort. Alors faut pas trop jouer avec ça, entre guillemets, parce que si on mettait 8, ça risque à un moment de ce qu'on appelle saturer et il risque d'avoir des petits problèmes. Donc vous pouvez un petit peu augmenter si vous voulez que ce soit un peu plus fort. Voilà. Alors il y en a d'autres hein, dans les samples. Il y a les drums. Donc tout ce qui commence par drum dans le nom, eh bien c'est de la batterie. Et donc on a un bass hard. Voilà, donc là vous voyez, vous commencez déjà un peu à faire quelques sons. Voilà, donc ça c'est qu'on utilise, comment on utilise un petit peu le sample. Ok? Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis on verra la suite plus tard. À bientôt!